Je propose un petit exercice. Donc la méthode que nous on emploie en Vipassana, c'est la méthode Mahasi. Et dans la méthode Goenka, lui, il préconise de scanner le corps. Donc c'est toujours le même principe d'observer en profondeur, mais avec la méthode Goenka, on scanne le corps élément par élément pour aller chercher. Toujours le même principe, on accueille complètement. Mais donc l'idée ici, c'est vraiment d'aller scanner partie par partie. Je vais vous guider pour le faire. Et même principe, hein, si quelque chose est là, on l'observe en profondeur et on laisse se libérer ce qui doit se libérer. Donc la différence avec la méthode Mahasi, c'est que dans la méthode Mahasi, ben, on est cool, et s'il se passe rien, il se passe rien et on se détend. Et quand quelque chose apparaît, ben, on fait quelque chose. Avec la méthode Goenka, il y a vraiment un effort d'aller chercher les trucs qui peuvent être coincés. Donc ça peut être parfois intéressant, quand on médite régulièrement, de dire tiens, ben, voilà, je vais faire juste un scanning vraiment pour aller checker un peu comment ça se passe dans le corps. Ça va? Donc on Quelque s'installe un chose qui se passe, ça peut être une tension, une peu. douleur. Oui, bien sûr. Ouais. Mais donc tu vas voir que si tu sens une tension, par exemple, dans le mollet, et que tu te contentes de simplement porter toute ton attention sur la tension, tu vas voir que quand on fait ça, il peut y avoir plein de choses qui arrivent. Tu peux avoir des images de personnes, tu peux avoir des souvenirs, tu peux avoir une émotion qui monte. Parce que les tensions qui sont coincées, c'est parce qu'on a vécu quelque chose. Hein. Donc parfois, une tension anodine que tu sens dans un mollet ou dans une cuisse, au moment où tu l'observes en profondeur, tout d'un coup, tu vas avoir une image de ton père, ta mère. Et donc c'est important de s'entraîner pour ça aussi, pour pouvoir accueillir ça, de se rendre compte que tiens, si j'observe une tension dans mon mollet et tout d'un coup, je vois mon père qui m'engueule, ben, c'est juste une mémoire qui se libère. Hein. Il n'est pas là. Hein. Okay. Et donc c'est important de rien faire avec ça, surtout rien faire avec ça et laisser sortir. Surtout pas commencer à rementaliser en disant mais pourquoi je pense à ça et peut-être que non, c'est bon quoi. On lâche le truc et c'est bon, c'est en train de sortir. Pourquoi ça sort à ce moment-là? On s'en fout ce que c'est, on s'en fout, c'est juste laisser partir ce truc, on n'a pas besoin de ça quoi. Ça va? Donc on se met simplement cool, hein. On fait les yeux fermés, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc on va. Donc on n'est pas obligé d'avoir une posture spéciale pour faire ça, on peut faire ça assis sur une chaise, dans un fauteuil, allongé, ça change absolument rien, on peut le faire dans son lit le soir, même quand son conjoint dort, ça marche très bien. Donc on va commencer par porter toute son attention dans le pied droit. Observez comment est le pied droit maintenant. En profondeur. Quelles sont les sensations qui sont présentes? Est-ce qu'il y a des tensions ou pas? Est-ce qu'il y a de la chaleur ou pas? Et laissez votre pied droit être totalement ce qu'il est. Et on va remonter dans la cheville droite. Observez en profondeur cette cheville droite. Comment est-elle maintenant? Que se passe-t-il dans la cheville droite quand on y porte toute son attention et surtout qu'on la laisse tranquille? On va remonter dans le mollet droit. Essayez de sentir le mollet au niveau de la peau, des muscles, des os. Comment est votre mollet maintenant? Est-ce qu'il y a des tensions, de la douceur, de la chaleur, du froid, peut-être une vibration? Laissez tout ça être totalement ce que c'est. Et laissez votre corps s'en libérer s'il en a besoin. On remonte dans le genou droit. Les genoux représentent la flexibilité, notre capacité à être flexible par rapport à ce qui se passe.
Comment est votre genou droit maintenant? Observez avec la curiosité d'un enfant qui découvre un nid de fourmis et avec l'amour d'une mère qui porte son enfant. Comment est votre genou droit quand vous l'observez comme ça? On remonte dans la cuisse droite. Observez votre cuisse droite comme si vous la découvriez pour la première fois. Comment c'est une cuisse droite? Quelles sensations sont présentes dans la cuisse droite? On va repartir sur le pied gauche. Portez 100% de votre attention sur le pied gauche. Ce pied qui vous porte toute la journée. Et la cheville gauche. Et le mollet gauche, comment est votre mollet maintenant? Le genou gauche. Qui se plie pour vous des centaines de fois par jour. Comment est-il maintenant? Et la cuisse gauche, observez votre cuisse gauche en profondeur. Quelles sont les sensations présentes dans la cuisse gauche? Et on va remonter dans le bassin. Observez votre bassin. La pression de votre bassin sur la chaise ou le sol ou le coussin, ça dépend où vous pratiquez. Comment est-ce maintenant dans le bassin? Laissez votre bassin tranquille. On va remonter dans le bas du dos. Quelles sont les sensations présentes dans le bas du dos? Et dans toute la zone du ventre. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que c'est fluide?
mettre dans la poitrine. Et jusqu'aux épaules. Comment est toute cette zone? Est-ce que vos épaules sont détendues ou bien est-ce qu'il y a de la tension? S'il y a de la tension, observez simplement le fait qu'il y a de la tension et observez ce qui se passe. Quand on se contente de mettre de la conscience maintenant. Maintenant, portez l'attention sur le bras droit jusqu'au coude. Et sur l'avant-bras. Et avec toute la main. Quelles sensations sont présentes dans le bras droit? Que se passe-t-il dans le bras droit quand vous le laissez tranquille? Quand vous le laissez totalement être ce qu'il est. La même chose dans le bras gauche, jusqu'au coude. L'avant-bras gauche. Toute la main. Comment est votre bras gauche maintenant? Laissez-le tranquille. Juste observez, conscience, accueil total de ce qu'il est maintenant. Remonte dans le cou, ce cou qui porte notre tête en permanence. Est-ce qu'il y a des tensions dans ce cou? Remonter jusque la mâchoire et la langue. Observez s'il y a des tensions dans la mâchoire ou si elle est détendue. Quelles sont les sensations présentes dans toute la région de la bouche? Jusqu'aux oreilles derrière. Dans le nez, les sinus, et dans toute la tête. Et pour terminer, prenez conscience simplement de tout le corps ensemble. Quelles sont les sensations présentes dans le corps maintenant? Juste observer, conscience, accueil total de ce qu'il est maintenant. Observez qu'il fonctionne sans que vous ayez à intervenir. Le cœur bat, le sang circule. On digère, le cerveau fonctionne,
Les nerfs envoient des informations. Et tout ça se fait sans que j'aie à intervenir.